Rien de spécial, je pensais. Tu pensais à quoi? Je ne te le dirai pas. Mes pensées sont ma liberté la plus intime, tu ne te l'approprieras pas. Dis-moi à quoi tu pensais. Si tu insistes, je vais être obligée de te mentir. Je suis sûre que tu pensais à elle, à vous. Oui, je pensais à elle. Je vais la veiller. Tu vois, j'ai deviné, je m'en doutais. J'ai dit que je te mentirais pour avoir la paix. Tu ne mens pas, c'est la vérité. Quand tu mens, je le vois tout de suite. Tu as le cou qui se couvre de plaques rouges. Laisse-moi tranquille, tu m'embêtes, je vais la veiller. Tu es comme elle. Elle aussi se couvre de plaques rouges quand elle ment. Et puis vous levez toutes les deux les yeux au ciel quand vous ne savez pas quoi répondre. Tiens, regarde, tu viens de le faire. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es bien énervée. J'en ai marre d'être ici. Marre de tourner en rond. Marre de n'avoir rien à faire. Marre de ce silence. Si au moins tu me parlais. Mais non. Tu penses. Madame pense. Et madame pense en silence. En général, c'est ce que tout le monde fait. C'est mieux. Si on parle en même temps, ce n'est plus de la pensée, mais de la conversation. Et tu pensais à elle? Tu pensais quoi? Ah, tu deviens agaçante, là. Pourquoi tu penses à elle et pas à moi? Mais toi, je te vois et je t'entends. Tu emplis mon espace sonore et visuel. Oh, tu peux me laisser un peu de ma pensée pour quelqu'un d'autre, non? Je suis certaine que tu ne penses jamais à moi. Ah, tu deviens ridicule. Elle est à 2 mètres couchée de l'autre côté du mur et en plus tu penses à elle? Je te répète que tu deviens ridicule. Tu as toujours été sa chouchoute, sa préférée. Et toi, celle de papa, c'était équilibré comme ça. Mais moi, je ne pense jamais à papa. Mais je ne te le reproche pas. Mais elle, je ne comprends pas pourquoi elle te préfère. Mais ça ne se commande pas, ce genre de sentiments. Ce sont des affaires d'ondes, de magnétisme. Et comme pour l'amour, pourquoi aimes-tu tel homme et pas tel autre? Ben, c'est bien ce que je dis. Pourquoi t'aime-t-elle toi et pas moi? Mais elle t'aime. Moins que toi. Pourquoi? Ben, je ne peux pas te répondre. Pose-lui la question. Tu ne te la poses jamais, toi. Non. C'est indécent. Alors, tu prends. Tu te gaves de son amour. Il ne te vient jamais à l'esprit que tu en prends plus que ta part. Tu sais ce que c'est, toi, une juste part d'amour? C'est la même chose. C'est quand c'est équilibré. C'est quand elle m'embrasse autant que toi. C'est quand elle demande comment je vais avec le même nombre de questions que pour toi. C'est quand elle dit autant de fois que je suis contente de te voir pour moi que pour toi. C'est quand elle passe sa main dans mes cheveux avec la même tendresse que dans les tiens. Et c'est quand, dans le poulet du dimanche, elle ne réserve pas le solilès à sa chouchoute. Au cas où tu ne le saurais pas, il y en a 2 par poulet. C'est pareil. Tu réagis pour le poulet, pas pour le reste. Mais c'est que tu ne me laisses pas parler. Elle te préfère. Elle t'a toujours préféré. Toi et tes mignonnes petites couettes à la con. On s'arrangerait pour y venir chacune son tour ou ensemble si on a envie. J'ai besoin d'argent. Je peux t'en prêter. Beaucoup d'argent. Je peux t'en prêter beaucoup. J'ai besoin de mon argent. Dis plutôt que ça t'amuse de me contredire. Je n'aime pas cette maison. Et moi, je l'aime. Ben alors, achète ma part, puisque tu as de l'argent. C'est ce que je vais faire. Ne compte pas sur moi pour te faire un prix. Je vais en parler au type de l'agence immobilière. Tu veux un chèque tout de suite pour la réservation? Arrête! J'ai le droit de ne pas vouloir garder cette maison. Tu as tous les droits que le droit autorise. Tu es majeure et vaccinée. La lettre. Oh. C'est pas drôle. Bah, ça devrait pourtant te plaire. C'est ici même qu'on a joué à pot-pot-nélé pour la première fois. Ouais, mais si l'endroit n'a pas changé, nous aussi. C'est moi qui avais inventé ce jeu. Pour toucher tes seins. Tes gros seins. Tu as toujours eu plus de poitrine que moi. Oh ben, écoute, ne le regrette pas. Hein. Quand je fais mon footing dans le parc, j'ai 2 kilos de plus à trimballer. Hein. Moi, je les ai dans les fesses, alors. Ben, c'est bien, ça baisse ton centre de gravité. Ça la baisse tellement que les hommes ont beaucoup de mal à l'apercevoir. J'en connais au moins un parent qui pense à baisser la tête. Ce qui veut dire...
que tu plais aux hommes, malgré ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Mais si. Fous-toi de moi. Je sais parfaitement ce que tu voulais dire. Ça, seulement ça. Toi et ton petit mari, tes petits-enfants, ton petit chien, ton petit duplex, ton petit vélo d'appartement. Je sais ce que vous pensez de moi. Tu ne sais rien. Tu te fais du mal pour rien. La salope qui baise le premier venu, un soir de pleine lune, dans une ruelle sordide, après 3 mojitos bu cul sec. Je la connais pas. Mais je te la présente. Ta sœur, ta charmante sœur, qui ne s'attache à rien ni à personne. La revêche. C'est qui, là? Ben, c'est toi. Mais non. Mais si, c'était ta Vichy avec l'époux des rues. Tu sais, l'instit, le copain de papa. On était allés à un congrès en famille. J'avais quel âge? 10. Non, 11. C'était de l'année de la communion. Non, 10 alors. Tu étais mignonne. Bien sûr que tu étais mignonne. Je ne m'en souvenais plus. Pourquoi elle ne me trouvait pas mignonne? Elle te trouvait mignonne, je te le jure. Tout le monde te trouvait mignonne. Mais toi, tu étais belle. Oh, regarde en communiante, on dirait une mariée. Oh oui, tu vois, tu étais super belle. Ben, évidemment, c'était pour la communion. On m'avait emmenée chez le coiffeur. Maman m'avait peint les ongles. Tata Yvonne m'avait mis du bleu sur les paupières. J'aurais entendu papa comme il engueulait sa sœur. Mais t'es folle, t'es complètement folle, tu veux en faire une traînée? Il se trompait de fille. Arrête avec ça. Regarde sur celle de tes 15 ans. Tu es super rigolote. Rigolote, mignonne. Toi, c'est belle. Toujours belle. Les mêmes yeux que maman. Qui, moi? Oui. Mais pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était toi qui avais les yeux de maman. Tu penses mal. Mais enfin, regarde. Et tu regardes mal. Exactement comme maman. Tu te souviens du jour où elle servait la soupe à Monsieur Fréziac? Tout en parlant avec papa qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Et elle lui faisait les gros yeux comme ça. Scrooge-nien! Tout en servant. Et une louche dans le verre. Et une louche sur la table. Scrooge-nien! Jusqu'à la 3e louche qu'elle a entièrement reversée sur le pantalon de Monsieur Fréziac. Je n'aurais jamais imaginé. Pas pour. À cause. À cause d'un homme? Oui. Il est mort. Pas vraiment du tabac, mais c'est un peu compliqué. Je l'ai jamais raconté à personne. Bon, alors, moi, je te raconte en premier. Ouais. Moi, j'ai repris à cause de Philippe. Ton mari, il fume? Non. Il joue au poker avec des copains de boulot. Et ça clope méchamment pendant les parties, non? Peut-être, mais c'est pas pour ça. Le vendredi. Tous les vendredis de toutes les semaines, ils font un tournoi. Toute la nuit passe. Je m'en doute. Oh, et puis, c'est pas que pour ça. On n'est plus accro l'un à l'autre comme à 20 ans. Et puis, je préfère qu'ils jouent au poker que d'avoir des maîtresses. Hein. L'un à l'autre. Laisse-moi un peu de ma naïveté, s'il te plaît. Alors? Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes qui jouent, mais la plupart sont du même âge. Copains de fac, d'université, petits artisans, des commerçants aussi. Bref, des acteurs qui se défoulent et craquent un peu d'argent au poker. Une bande de bobos? Oui, si tu veux. Donc, un soir, il y avait Philippe, Jean, le psy, Denis architecte, et il y avait aussi Gaspard, le buraliste. Gaspard a perdu tout ce qu'il avait sur lui. Il s'est acharné. Il ne voulait plus quitter la table, totalement possédé. Alors, en enjeu, il a mis un paquet de cigarettes par semaine pendant un an. Et Philippe a gagné. Ah ben, exact.
Ben, t'as vu la tête du moins cher? Qu'est-ce qu'on a à faire de la tête d'un truc qui va recevoir 3 mètres cubes de terre par-dessus? Ben, et à la cérémonie? On pense aux morts ou au cercueil? Je peux lui donner un petit coup de peinture rouge si tu veux un peu de gaieté. Sapin nordique. Ah, sapin nordique, sapin merdique, hein? C'est déjà cher? Tu as vu le prix? Oh ben oui, c'est déjà cher pour du bas de gamme, hein. Sapin nordique, c'est très bien. Ça lui rappellera le séjour à Stockholm avec papa. Stockholm? Mais t'es sûr? C'est pas plutôt le Danemark, Copenhague, la baie de Aalborg, les fjords, tout ça? Non, la Suède. Je me souviens encore du petit écusson autocollant à l'arrière de la Dauphine et la statuette à la con qu'ils avaient ramenée. C'était pas une sirène? Non, un troll. Je suis sûre qu'il traîne encore quelque part par là. Oh, et la poésie que papa nous récitait, tout fier d'étaler sa culture. Tous les morts sont ivres de pluie, vieilles et sales, au cimetière étrange de Lofoten. Voilà, Lofoten, Suède. Attends. Je regarde confirmation dans le dico. Non, non, moi je maintiens Danemark. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Shakespeare. Papa n'a jamais déclamé de Shakespeare. Oh, tu détestais tout ce qui était anglais. Tu verras, tu verras. Oscar Venceslas Lubitsch Miloš. C'était l'auteur. Prix Nobel de littérature dans les années 80. Il y en a un autre, hein. Un poil plus cher, pain de Norvège, première catégorie, un peu mieux. Alors, Lofoten, archipel des côtes de Norvège, 25 000 habitants. Norvège, comme ton deuxième cercueil. Allez hop, je vote pour. Terminé. Il serait allé en Norvège? Bien, aucun souvenir. Moi, je pensais que c'était le Danemark. On avait faux toutes les deux. Ado, on veut toutes se détruire. Oh. Merde. J'en ai marre. La vie est vraiment trop dure. Personne ne me comprend. Et puis Julien est nul. Il parle à Vanessa et me snob alors qu'on a échangé nos chewing-gums. Non, j'en ai marre. Et puis je suis trop grosse. Je vais me taper une pleine assiette de moule. Et je vais me faire vomir ensuite. Plein. Mais j'ai jamais été comme ça. T'as été comme ça, toi? Moi, bien sûr. Sauf que moi, à la place du gavage de moule, eh ben, je picolais. Mais moi aussi, mais pour voir juste ce que ça faisait. Oh, moi je me défonçais la tête. Mais... une épave. On faisait ça pendant les soirées pyjama entre filles. Mais t'étais vachement jeune. J'étais dans un... Bah ouais, pas encore occupé. Et puis, oh, ni vu ni connu, mais ils seront bien obligés de l'inhumer. Ils la mettront à la fosse commune. Oh, ça n'existe plus. Oh, à moi, autre possibilité. On la dépose devant l'hôpital avec une pancarte sur laquelle on écrit « Faites ce que vous voulez de mon corps, je n'en ai plus l'utilité. » Ah, très bien. Et ça ne coûte pas un sou. Oh, ben, on est redmurger là, non, hein? Non, on est juste gay. Oh non, non, ben, non, faut qu'on arrête là, hein. Faut choisir le futur petit appartement de maman là. Tu as calculé le prix du mètre carré. Sans chauffage, sans ouverture, sans sanitaire. C'est les tarifs de marchand de sommeil. Et monopole, ma vieille. La mort rapporte plus que les vivants. Hein. Si on la plie en deux, on doit pouvoir économiser sur la surface de bois à utiliser.
Faut qu'on arrête, hein, là. Maman est d'un côté, puis nous, on picole et on rit. La maman, elle est là. C'est la loi du plus fort. La vie fait la fête quand elle rencontre la mort. Pour lui infliger une vexation. Oh, maman, toute fanée, toute décharnée, les cheveux comme de la filasse, lavée, rien de plus de superbe, elle qui se soignait comme une jeune fille. Arrête de te lamenter. C'est l'acidité qui l'a vidée. Prends une coquille d'escargot. Non, mais arrête, Annette. Hein. Elle est morte, c'est fini. On la reverra plus. Non. C'était un peu dur au début, mais elle s'est calmée. Vendredi, 11h. Oui. Laisse les enfants chez ta mère. Je préfère qu'ils ne viennent pas au cimetière. Ils ont tant de traînées dans ces lieux. Et puis, ils la connaissaient à peine, alors donc... je ne sais pas pour la maison. Elle n'a pas encore pris de décision. Elle dort encore, je crois. Oui. Oui. Bonjour, Philippe. Oui, elle te dit bonjour. Oui. Non, mais il t'entend pas, la ligne est mauvaise. Oui. Oui. Mais non, pas nu, en peignoir. Arrête de fantasmer. Bah, de la piscine, je suppose, hein. Oui, c'est ça, on s'est pris une semaine de vacances. Allez, va bosser, sa type. Allez, bisous. Oui, Tu me sers une tasse, s'il te plaît. Oui. Mais t'es toute bleue. T'as froid? Non. Elle est pas chaude, mais ouais, bon, elle doit être en place, hein. Oui. Il doit être gelé. Ouais. Ça va, c'est agréable. Ouais. Non, mais tu m'as fait boire ma cochonne. Hein. Ce matin, j'ai la barre. Hein. Oh, ben, va piquer une tête. Ah, oh, ben non, merci, je suis beaucoup trop frileuse. Hein. Mais toi, t'es vraiment folle. Hein. Je sais. Et l'eau doit être toxique. Elle n'a sûrement pas fait l'entretien cette année. Oh, arrête de jouer les mamans. Je me souviens que quand on allait à la rivière avec les parents, tu gardais toujours ta culotte pour te baigner. Tu disais que le sable te piquait la craquette. Ben, c'est vrai, c'était désagréable. Moi, je pense que tu ne voulais pas qu'on te regarde. À 6 ans, déjà coincée. Arrête de dire que je suis coincée. Je ne suis pas coincée. J'ai fait 2 enfants, je te signale. Oh, oh, oh. La sexualité et la maternité n'ont rien à voir ensemble. Une preuve de plus, ton premier copain, tu l'as eu à quel âge? Eh bien, je te répondrai pas. Tu pourrais avoir un peu de décence, maman est encore à côté. Pascal Lelièvre! Oh, 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 le fils du cacaillé, une grande asperge rouquine avec un pif, a décapsulé les bouteilles. Tu devais avoir 17 ans. 16.
17 bien sonnés. Moi, j'étais déjà avec Michel Courceau. C'était au moins mon quatrième copain. Et on vous voyait marcher, main dans la main, le grand Dadais et la petite jeune fille, propre sur elle, avec son col Claudine et sa jupe plissée. Tu devais avoir 17 ans. Presque 18. Et tu en déduis quoi? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Laisse-moi rire. Je suis sûre qu'au lit, tu assures le minimum syndical. Comme maman disait, laissez l'initiative aux hommes. Sinon, ça les complexe. Ta conversation me fatigue. Je vais prendre une douche. Va et ferme bien la porte. Des fois que je t'apercevrai un poil de foufoune. Regarde ce que j'ai trouvé entre les draps. Dans l'armoire? Oui, un magot. 300 000 francs. Ah oui, c'est beaucoup. Des francs, tu as entendu? Des francs. Autrement dit, une monnaie qui n'a plus cours depuis 2000. C'est trop tard. Ça ne représente plus rien. Même les banques ne les reprennent plus. Mais pourquoi elle ne les a pas changées? Elle a oublié. Elle a dû toucher une grosse somme après la mort de papa. Une assurance, un truc comme ça. Et puis ma dite vieille bonne femme, elle l'a cachée parce que... On ne sait jamais. Des fois que les banques seraient faillites. Résultat, nous on retrouve du papier. Oh, c'est bête ça. 300 000 francs, ça fait combien en euros? Alors, 6, 35... Cherche pas. Ça fait 45 000 et des poussières. Ah, t'as fait ça tête, toi, chapeau, hein? 45 000 euros avec lesquels on peut se torcher. Ça me foirogne. Quelle conne. Mais quelle conne. Annette. Mais enfin, tu trouves pas ça con? 45 000 euros de confetti. Voilà. Et c'est ta part que tu déchires là. Oh, bah je compte pas. 0 plus 0 égale la tête à Toto. À la Gaspard. Je crame ma fortune. Ça voudrait dire qu'elle ne devait pas changer ses draps souvent, sinon... sinon, elle les aurait vus. Elle les voyait, mais ne pensait pas que l'époque du franc était révolue. Pourtant, elle faisait ses courses, ne se trompait jamais sur la monnaie. Elle tenait même un livre de dépenses. Tu as vu toutes ces belles colonnes, tout en euros? Pas une erreur. Alors, elle avait oublié, hein? Mais quel gâchis. En plus, il était pour nous, cet argent. Il y avait deux enveloppes à nos noms sur le dessus du paquet. Pauline. Ma Pauline, ma grande, ma toute belle grande fille, quand tu trouveras cette lettre, je ne serai plus. Je vous fais à toi et à ta sœur une petite surprise, un cadeau post-mortem, un petit supplément d'héritage non déclaré que vous trouverez quand je ne serai plus là. Fais-en un bon profit, ma chérie. Si jamais je n'avais pas le temps de te le dire, ou si jamais la vilaine faucheuse arrivait trop vite sans prévenir, je veux te dire tout l'amour que j'ai eu pour toi et tout le bonheur que tu m'as apporté. Tout d'abord à la maison, puis plus tard avec ta petite famille. Tu étais mon soleil et ma force de vivre. Merci de m'avoir tant apporté. Tous mes meilleurs baisers, ma grande fille adorée. Et toi,
y en a une? Oui. Tu peux me la lire? Fais-le toi-même. Annette, ma chère fille, je... C'est tout? C'est tout. Elle n'a pas eu le temps de la finir. Depuis 2000? Il y a sûrement une explication. Oui. Elle ne savait pas quoi me dire. Voilà une bonne corvée de fête. On aurait pu inviter les voisins à venir boire un verre. Pas envie. Oh ben j'avais compris. Pas envie de voir leurs petits yeux furteurs se promener sur tout ce qu'ils aimeraient emporter chez eux. Et les mensonges. Elle m'avait dit qu'elle me donnait ci. Je lui faisais ses courses quand elle ne pouvait plus sortir. Pour me remercier, elle devait me donner ça. Allez, oust! On garde tout. Oh, tu es dure. C'est vrai qu'ils s'en sont occupés sur la faim. C'est la moindre des choses. Elle leur distribuait la moitié de son potager quand elle avait une bonne santé. Oh, j'ai encore l'odeur de sa bonne soupe aux choux dans les narines. Et mon cercueil, sapin merdique, premier choix. Il n'était pas bien? Si, il était bien. Si je t'avais écouté, on y allait du super merisier en boîte contreplaqué, comme le buffet du salon, pour le prix d'une Clio, mais sans le moteur. Ça m'aurait fait mal aux fesses. Il était bien, je te dis. Pourquoi on ne l'a pas fait incinérer, franchement? Ah, mais ça me fait horreur. Brûler maman, tu te vois la regarder partir dans les flammes et de récupérer une urne ridiculement petite en te disant « C'est ça, maman ?» Ah, de son vivant, elle était déjà pas grande. Ah non, non, moi je peux pas. La crémation pour les autres, ça va, mais pour les miens, je peux pas. Faux cul. Pourtant là, on aurait pu lui en payer du merisier. On l'aurait enfermé dans le buffet. Un petit coup de plus pour le brillant et hop, hop, hop. On était débarrassés des deux vieux trucs en même temps. Ça me fait pas rire aujourd'hui. Philippe ne pouvait pas venir. Mais non, non, il avait un rendez-vous à 15h, tout juste le temps de faire la route. Il n'est pas malade. Je l'ai trouvé vieilli. Il a des problèmes. Eh bien, de boulot. Et ça licencie dans sa boîte et il a peur. Ça se voit. Ouais. Tu devrais lui conseiller de faire... Oh, inutile de lui conseiller quoi que ce soit. Il n'écoute rien ni personne. Des lettres. Je m'en doutais. D'une femme, j'en étais sûre. De sa sœur. Apparemment, ils se faisaient des confidences sur leurs parents. Des secrets de famille éventés, des ragots... Des supputations aussi, un peu comme nous. Oh, tu exagères, tu aurais pu m'attendre. Il y avait aussi un deuxième tiroir fermé. J'ai cherché la clé partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors avec un tournevis, j'ai forcé. Et? Il a cédé. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que t'as trouvé? Un truc insensé. Raconte. J'aurais jamais cru ça de papa. Ah, tu me fais peur, là. Tu veux que je te raconte? Ah ben bien sûr, arrête de jouer avec mes nerfs. C'était quoi? C'était dégueulasse. Ah mon Dieu. J'en étais sûre. Bon, allez. Dis-moi maintenant que tu as fait le maximum pour m'attrier. Accouche, il y avait quoi? Des écrits sur du papier. 5 cahiers recouverts de sa petite écriture de mouche. C'était quoi? Des dénonciations, des saloperies avec des femmes du cul. Des calomnies. Des poèmes. Monsieur s'essayait à la poésie. Et c'est tout? Ah oui, pourquoi? Tu attendais quelle turpitude? Bah, c'est toi, tu m'as dit que c'était dégueulasse. Ah bah je confirme, c'était de la poésie de merde. Hein. Et elle avait bien raison de s'enfermer dans son bureau pour écrire ça. En quel honneur? Eh ben, comme ça, pour faire plaisir. Mais pourquoi tu veux me faire plaisir? Arrête de poser des questions. Tu n'en fais pas? Si, mais je suis gênée. On ne se fait jamais de cadeaux. Ben, c'est pas une raison pour continuer. Je n'ai rien pour toi, moi. Mais on s'en fout! Ouvre-le ou je le rapporte tout chez le marchand. Hein.
te plaît? Oh oui, beaucoup. Dis-moi merci. Merci. Tiens, tiens. Ça ne te fait pas penser à une vieille chanson? Quoi? Son poème. Le vieil homme n'avait qu'un manteau. Non, par-dessus. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans son autobus de banlieue, mon vieux. Daniel Guichard. Mais dis donc, c'est carrément du plagiat. Daniel Guichard a plagié papa. On devrait lui demander des droits d'auteur. On va lui en demander. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans son autobus de banlieue. En fait, je vais te raconter. Peut-être que tu te sentiras apaisée ensuite. Je l'espère. Si tu as le sentiment que maman m'aimait plus que toi, c'est qu'elle me protégeait. Elle t'estimait plus forte, plus impétueuse que moi. Elle disait toujours que toi, tu saurais toujours te sortir des pièges de la vie. Pas moi. Ça l'arrangeait de le penser. En réalité, elle avait peu d'amour dans son cœur. Et elle avait choisi de te le donner à toi. Plus rien pour la vilaine. Plus rien pour le mari non plus. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je vais te le dire. Bon, on a bien fait d'en garder un petit peu. C'est si difficile à dire. J'avais à peu près 5 ans. C'était au printemps. J'avais joué dans le jardin parce qu'il faisait très beau et j'étais sale comme un goré. Papa avait une fête à son entreprise, un pot de départ d'un collègue. Et quand il est arrivé, on devinait qu'il avait plus que d'habitude. Il faisait le rigolo, ce qui ne lui ressemblait pas. Il a dit: je vais donner son bain à Pauline. Ce n'était pas la première fois sur les premières années, il aidait bien maman. Il m'a frictionnée avec le gant. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je revois son visage tout rouge, les muscles de son cou qui saillaient, qui tremblotaient, la sueur qui gouttait de son front et ça suivait l'arête de son nez et ça gouttait dans la baignoire. Il m'a savonnée avec le gant. Je sentais sa main qui ralentissait, qui tremblait, qui insistait. Il me faisait de drôles de petits sourires crispés. Maman est rentrée dans la salle de bain. Papa s'est troublé, il a bredouillé. J'ai presque fini. Maman lui a dit « Laisse, je vais la rincer ». Une phrase anodine, mais dite avec fermeté, qui ne laissait pas de place à la controverse. Voilà. Bon anniversaire. C'est tout. Bon anniversaire. Oh, mais tu n'as plus rien dans ton verre. Attends. Oh,
Ça te fait combien, déjà? Pas tant que ça, hein? J'arrive derrière. Oh, tu as encore le temps. Elles ne sont plus que deux femmes, deux émotions, un souffle voyageant à travers une histoire singulière.